Bonjour, je suis Pauline Maurer, chargée de recrutement au sein du groupe SOS Senior. J'ai conçu le test de l'auxiliaire de vie pour vous aider à prouver vos compétences et vous faire remarquer par des employeurs. Je vais vous parler de ce métier. L'auxiliaire de vie a un rôle de soutien et d'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Sa mission est d'accompagner et d'aider les personnes âgées en difficulté physique et mentale. Il établit avec elles une relation de confiance et de dialogue. L'auxiliaire de vie peut travailler directement dans le milieu qu'il préfère, en structure ou bien à domicile. La rémunération peut être variable en fonction du secteur dans lequel il exerce son activité, secteur public ou privé. En général, un jeune diplômé perçoit le SMIC. En fonction de l'établissement dans lequel il exerce et selon la convention collective, son salaire peut varier. L'ancienneté dans le métier peut faire varier le niveau de la rémunération. Il faut également savoir que l'auxiliaire de vie peut être amené à travailler la nuit, le week-end et les jours fériés. Le rôle de l'auxiliaire de vie repose sur 5 missions socles. Premièrement, il participe à la prestation de restauration. Par exemple, il sert les repas en tenant compte des goûts, des régimes et des habitudes alimentaires de la personne âgée. Ensuite, il a pour mission d'assurer le confort physique des personnes âgées. Cela passe par l'accompagnement des résidents dans leurs déplacements, l'aide à l'habillage, au déshabillage, mais aussi dans l'aménagement de l'espace de vie, dans un but de confort et de sécurité. Régulièrement, il régit le confort hôtelier. Lors de l'entretien du linge de service et des résidents, lors de l'entretien des locaux, en procédant au nettoyage des chambres et des lieux communs, tout en respectant les protocoles d'hygiène et de nettoyage en vigueur. De plus, il doit garantir le confort psychologique des personnes âgées. Il les accompagne et les aide dans les activités de loisirs et de la vie sociale en tenant compte de leur histoire de vie. Ses autres missions consistent à participer à des activités d'animation, de distraction, de confort et d'éveil des personnes âgées. Il participe également aux projets de vie et s'implique dans les projets de l'établissement. L'auxiliaire de vie établit avec la personne âgée dépendante une relation de confiance et de dialogue. Il assure, en liaison avec les autres professionnels, une prestation individualisée en prenant en compte l'ensemble des besoins de la personne âgée dans le respect de ses choix de vie. Je vais maintenant vous indiquer, dans la vidéo suivante, les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier passionnant.